Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 39 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok. Encore une fois, il y a un petit peu de temps, mais hey, oubliez pas qu'on peut se retrouver en live tous les soirs sur Twitch, évidemment. Twitch.tv/MRBBoy45. Nous sommes en live tous les soirs, on peut discuter, on peut faire plein de choses totalement incroyables. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous allez passer un agréable moment, je pense, en ma compagnie. Bref, c'est parti pour la suite de notre folle aventure. On venait d'avoir une arme totalement folle, évidemment. 4K 60 FPS, prenez un petit truc à boire et à manger. Et on y va, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Tu connais évidemment les règles de mes let's play avec le temps. Qu'est-ce que je branle là, moi? Excusez-moi du peu, mais je ne sais même pas qu'est-ce que je fais là. Là, on a un petit cœur, c'est mignon, c'est adorable. Là, on a un petit espace. Là, on a... C'est un ingrédient de la recette. Oh, ma lynx, le lynx. Voyager entre les royaumes était leur spécialité. Vois-tu, okay. Yari avait été élevé en guerrier midgardien. Se battre pour sa famille, trouver une épouse, mourir pour la gloire. Mais il a rejeté tout cela. Il est parti. Il a suivi sa voie. Je ne serais pas surpris de retrouver leur marque dans d'autres royaumes. Et là, si je fais ça... Ah ! Ok, bon. Très bien. Une... Bougez pas. Laissez-moi fouiner comme la fouine. Tout ça est fort embêtant. Il y a forcément un petit truc ici, non? Non? Il y a vraiment rien là? Ah, si. Deux. Et le troisième. Et le troisième. Le troisième est forcément dans les parages, hein, vous le savez. C'est juste... C'est juste ouvrir les yeux. Vous savez que je dis ça et très souvent ça part toujours en couille. Parce que je vous vois arriver dans le chat. Mais B-Boy, on le voit depuis tout à l'heure et toi tu le vois pas. Je sais les gars, vous énervez pas, on va y arriver. On va y arriver. Je pense que je me suis éloigné. Tout doit être possible depuis le même poste à mon humble avis. Non mais attendez les mecs, je dois juste être avec, c'est impossible. Bougez pas. Oh là là. Wouah. Dur les gars la punition. Allez c'est parti. Dur. Ah c'était pas à côté hein. Wouah, fallait le voir. Bon, allez, une bonne chose de faite, les amis. Vous avez récolté assez pour... Oh la vache, c'est une belle jauge, ça. C'est une très, très belle jauge. Ouh, bon, j'ai bien cru qu'on n'allait pas y arriver, mais on commence plutôt bien l'épisode. J'ai coupé 2-3 minutes de recherche. En tout, les recherches ont duré 5 minutes. Et je voulais pas qu'on perde 5 minutes juste à regarder les environs. Donc voilà, j'ai coupé 2-3 minutes. Sachez que... sur le temps de l'épisode, on continuera un petit peu plus longtemps que convenu. Allez. Et donc, cette lance Dropnir, es-tu prêt à t'en servir? Pour protéger Atreus. Je ne suis le champion de personne d'autre. Et encore moins le dieu. C'est peut-être ma forme. Mais ce n'est pas ma nature. C'est bien compris. J'ai mis de côté bien plus qu'une divergence d'opinion pour le bien de cette alliance. Tant que le plan est toujours de tuer Heimdall, le reste importe peu. Je me permets d'ajouter qu'Odin a une petite idée de ce que nous préparons. C'était donc ces corbeaux que j'ai entendus. Bon sang, qu'a-t-il dit? Mensonges, menaces et autres tromperies, évidemment. Tu penses qu'il mentait? Atreus n'est pas à Asgard. Malheureusement, sur ce point, je crains qu'il ait dit vrai. Alors le reste importe peu. J'ai vu une porte non loin qui surplombait la baie. On peut l'atteindre avec ta lance, je crois. Là où ils sont forts, c'est qu'on repasse par les endroits qui nous permettent cette fois-ci d'utiliser la lance. Donc j'ai envie de vous dire, c'est du génie. Elle présente un trou qui semble correspondre... Un instant, prépare-toi au combat. Quoi? Ah! Asrophile l'insensible. Pour le roi! Oh!
Oh, mon Dieu! Oh, la vache! Ok. Go! Let's go! Non, bon, y a pas de allez, mais quand même, on met des vraies patates! Oh, la vache, ça fait quasi des dégâts. Quelle tristesse. Oh non, non, non. Non. Ok. 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 J'ai pas esquivé au bon endroit. On la retente. On la retente parce que j'y crois, bordel. Ok. 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 Ok, ça j'ai compris. Ah ouais, ça va être. Ok. Ok. Oh, il a trois coups. Ok, c'est faisable, je le veux. Et je l'aurai, évidemment. Let's go, je vais lui casser les chikaou. Ouh, il est chaud. C'est injuste. Rassure-file l'insensible. Personne va s'inquiéter de toi, tout le monde te déteste. Oh mon Dieu! Ok. Prépare-toi. Oh non, j'étais. Ok, là je suis hyper concentré, je suis désolé. Allez, c'est maintenant les potes. C'est maintenant qu'on va tout envoyer. Allez. Ok. Troisième tentative.
Et bon débarras, espèce de butor fétide. Je suis comme un 16 guerrier. Fais-moi plaisir, mon frère. Si tu vois encore un de ces fumiers d'esprit berserker, réserve-lui le même sort. Tu rendras service au neuf royaume. Un enchantement asgardien. Ah ouais. Attends, ça fait quoi? Ça a l'air fou. Augmente toutes les attaques, capacité de vos armes basées sur le renouvellement. Ah ouais. Ok. En vrai, de vrai, les gars, je vais plus utiliser... Ah non, je l'ai pas de façon. Il y a quelque chose que j'ai en 3. Il y a quelque chose que j'ai en 3 ou pas? Non. Dommage. Non, bah on est pas mal, écoutez. Appelons d'Asgard. C'est bon, écoutez, on est pas mal. On verra le reste un petit peu plus tard. Ces guerriers t'ont-ils un jour causé du tort, Mimir? Tu sembles plus agité que d'ordinaire. Je préfère ne pas remuer ces souvenirs, si ça ne te fait rien. Très bien. Ok. Bon bah écoutez, incroyable. Incroyable. 3 tentatives il m'aura fallu, mais enfin c'est pas trop, j'ai envie de vous dire. Ça a même été plutôt bien géré à mon humble avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que je pense en tout cas. Ok, on va passer. Alors attendez. Sois sur tes gardes, oui, mais le problème c'est qu'il y a forcément quelque chose là-haut. Ça, cette tombe me disait rien, elle était pas là au début, je crois. D'accord, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Parle, j'aimerais que tu m'apportes quelque chose. Un marteau. Une arme? Non, un marteau de forgeron, petite tête. Un symbole de la résistance, de l'unité de la guilde, tout le couplet. Du moins, jusqu'à ce que les As l'enfouissent sous cette énorme statue de nain, dans la baie. Ça ferait du bien aux nains de le voir ressurgir. Tu ne crains pas d'attirer l'attention des Eneriar? Le père de tout était prêt à m'égorger pour vous atteindre. Je me fiche pas mal de ce qu'il en pensera. Retrouvez-moi au bar quand vous l'aurez. Avec cette lance, tu pourras certainement explorer de nouvelles zones de la baie. Oui, et nous pourrions chercher le marteau de Durlin tant qu'on y est. Mais c'est toi qui vois. Ok. Récupérer le marteau. Il y a un monde où on peut le faire. Je crois bien, moi. Oh, il y a forcément un monde où on peut le faire. Très bien. Ok, on prend. Très bien, ça c'est fait. Alors attendez. Si je puis me permettre, est-ce qu'on va pas récupérer le marteau par hasard? En vrai, ça me paraît pas mal. Allez sur la carte, c'est où ce marteau? Regardez, il est dans une zone inexplorée. Ça me paraît cool. Ça me paraît cool. On y va? Mais bien sûr qu'on y va. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Parce qu'on peut avoir du lourd, les gars, avec ce marteau. Ok, vas-y, prends-moi ça, mon frérot. Ah, ma sœurette, alors. Ça sera ma sœurette pour toi. Ok. Oh, il y a quelque chose là-haut. Ah. Malheureusement, ça bloque. On va aller le récupérer de ce pas. Bon, on sait où est la quête... La quête secondaire. La quête principale, pardon. Il faut reprendre. Il faut se retéléporter. Bah écoutez, on va juste récupérer le marteau. En espérant que ça nous ouvre pas à un vaste monde de fous furieux. Ça serait terrible. Ok, je crois que c'était là-bas. Des poumons? Non, c'est stupide! Quoi? La foutue devinette de Brock. Plus vous en retirez, plus je grandis. Je ne laisserai pas ce nabot bleuâtre me battre! Si tu es contrarié, il a déjà gagné. Ok. Attends, attendez, qu'est-ce que c'est? C'est par là? Bougez pas. Ça a l'air d'être par là, ok, super. Autant que je sache, c'est dans cette direction que se trouve la grande statue de nain. Le marteau de Durlin pas de là. Ok. Ah, ça dégage. Bien, suivant. Ok. J'ai trop envie de me battre avec la lance, c'est tellement incroyable.
se mord. On s'est trouvé un perchoir. Très bien. Suivant. Ok, je suis en train de les savater tout ça. Poison dans ton dos. Tiens pas. Hop, 3, allez, 4, t'es mort. Putain, montage en règle dans les règles de l'art. Montage en règle dans les règles de l'art, ça se dit pas ça. 2, 3, 4. Je suis dormant. Bon. Très bien. Fin de la rencontre. Alors, on a un truc ici, superbe ça. Qu'est-ce que c'est encore cette connerie? Ici on a quelque chose. Ici. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas fait ça, genre. Athos, je vois quelque chose. Ce dragon semble incroyablement réel pour une sculpture. Ah! Eh bien, okay. Ce n'est pas la première fois qu'on va battre un dragon. Il y a moyen. Il y a moyen. Ce dragon me semble incroyable. Très bien. J'ai pas. Ce dragon me semble incroyable pour une structure. C'est un dragon. Je ne sais pas encore ce que je dis, mais. D'accord. Alors. D'accord. Superbe. Donc, les Michael Jesus. Il va falloir. Ok. Bon, là, t'abuses, là. Oh non, t'es. Non, non. Là, vous êtes des abuseurs, messieurs. Ok. Alors, attends. Non, c'est pas vrai. Ah, peut-être avoir de la hauteur, non? Bougez pas. Ok. Bougez pas. Je vais l'avoir. C'est pas un problème. Je pense qu'il fallait tout simplement prendre de la hauteur. Très bien, alors attendez. On dit hauteur. Voilà. Pitié, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis-moi. Eh bien, pour faire simple, un trésor. Celui qui est caché là-bas, pour être précis. Mon fils et moi, nous sommes venus ici en quête des richesses de Sisyphe. Craignant que ce soit trop dangereux, je suis parti seul. Et il semblerait que
que j'ai vu juste. C'est pour ça que tu es resté là. Mon fils. Je crains qu'il soit parti chercher l'autre moitié du trésor. Je vous en prie, trouvez-le. Et dites-moi ce qu'il en est. C'est quoi la clé barre qui hurle ? Si vous souhaitez une récompense, vous pouvez prendre le trésor. Il n'en est plus que faible. Ok. Vous étiez où, des marins ? Les gardes pour chercher fort. Les restes sont anciens. Son fils n'est sûrement pas prêt de réussir. Il ne coûte rien de le vérifier. Vraiment ? Voilà. Let's go. Let's go. Bah dites donc. Bon. Alors attendez. Soit il y a un vrai combat qui va se passer ici. Soit, en tout cas c'est très bizarre. Donc on va descendre. On va récupérer le coffre. Le coffre qu'il y a tout en bas. Ça me paraît pas mal. Là, c'est une nouvelle zone, hein, les amis. Hein. On va rester peut-être un ou deux épisodes ici. Je vous le dis. Allez. Encore une pomme. Il m'en faudra combien? 150. Oh, c'est horrible. Hein. Ah ouais, une sur 5, les gars. Une sur 5, c'est énorme. Ok, on va voir ce qui se passe à côté. Il y a un clébard ou quoi, là? Mais putain, mais... Bizarre. Ok. Vous entendez? Attends, je t'ai déjà parlé. Ok. Bon, qu'est-ce que c'est que ça, là, déjà, là? Parce que si on doit se battre dans ce petit truc, je ne donne pas beaucoup pour vivre. Il est intombable, c'est bizarre. Bah non, mais je préfère crever que... Attends, ou alors j'ai mal vu, je sais pas. Bah écoutez, j'ai pas envie de reprendre le risque. Je saisis pas, j'ai pas saisi tout ce une que... Une ardoise runique. J'ai pas saisi toute l'importance de ce qui se passait. Mais tu pourrais utiliser ton burin pour l'achever. Allez. Ok. Qu'est-ce que c'est? Fio. Le marteau de Durlin. Toujours intact après tout ce temps. Contrairement à la ténacité de Durlin. Nous lui rapporterons. Ouais, on va lui rapporter, mais c'est très bizarre quand même. Sachez-le. Cassage de bouche. Oh, ah, littéralement cassage de bouche. Joli oui.
superbe. Je suis tombé amoureux de cette arme. Voilà, je suis désolé. Elle est juste exceptionnelle. Un peu comme vous, finalement, ma communauté. Et je la trouve incroyable. Les restes de bêtes. Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ok. On essaye des trucs. Ok, ben c'est bon, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse, il faut vraiment que j'arrête d'essayer des trucs. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là, Bibiche? La graine de Muspelheim est maintenant complète. Trouvons un accès mystique. Elle nous mènera peut-être aux épreuves de combat de Sur. Oh, 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 oh. Encore un nouvel endroit? Incroyable. C'est incroyable. Ok, on va leur envoyer une fireball dans la gueule. On a fait bien. Corbeau, il prend pour tous, hein. Ok. Alors, quoi d'autre? Bonsoir, bonsoir, c'est beau ici, c'est ça. Il faut faire taire cette noken. Ben voilà. Personne n'a pu sortir d'ici vivant. Très bien, ça, ça me plaît. Ok, on va en reprendre un. Pardon, il y a un boss. Putain, c'est ma boss. Mort n'arrive vers toi. C'est pas grave, allez. Fouh, c'est chaud. Ok. La vache. Trop fort. Beaucoup trop fort. C'est dur, c'est dur. Ok. Dessus.
Ok, heureusement il y a la lance. Ok, heureusement il y a la lance. C'est pas vrai! Ok. Si j'y arrive, mes aïeux. Oh la vache! Oh, c'était si dur! Oh, attendez, là les gars, c'est bon, je peux rien faire. Hein. L'origine, ok, ouais, c'est bon, allez, je peux rien faire de plus, les gars. Beaucoup trop de boss, beaucoup trop de tout. On va s'arrêter là. On va voir tout de même. Oh, c'est quoi ça encore? Attends, normalement, ça c'est ma récompense. Hein. Ça, je suis pas fou. Ça, c'est une récompense, ça, non? Oh non, c'est là. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Tu le tiens? Déjà? Parfait. Pourquoi apparais-tu sans cesse, mon petit? Est-ce ton chef qui t'a demandé de nous surveiller? Non, 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 non. Ce n'était pas notre intention. Tu dois me croire et je ne suis ici qu'en qualité de guide. Et seulement si tu le souhaites. C'est la procédure. Eh bien, tu peux être tranquille. Nous les ramènerons à Ratatosk. Merci. Encore désolé si je t'ai offensé. Je promets d'être plus utile la prochaine fois. Une vraie petite plotte de nerfs. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures. Cet épisode était très très chaud. Je peux vous dire que ça a swingé. Bisous tout le monde. Bye bye.